Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler de mémoire pour nos PC, la mémoire DDR4. Alors comme vous le savez sûrement, en ce moment c'est très cher. Les prix ont monté en flèche ces mois derniers, c'est impressionnant et ça fout quand même les boules pour nos PC. Les cartes graphiques sont dures à trouver en ce moment, elles sont très chères. La mémoire a beaucoup augmenté mais par chance elle se stabilise en ce moment. Elle se stabilise parce que la production a augmenté, donc surtout Samsung, le plus gros fabricant, a augmenté la production. Mais voilà, une grosse demande sur les PC portables, notamment en besoin en RAM. Donc les prix vont continuer à se stabiliser un petit peu pendant plusieurs mois, je pense. Et ça va être vraiment difficile à baisser. Mais voilà, on va voir ensemble aujourd'hui les meilleures offres du moment. Et je pense qu'on fera ça une fois par mois. Voilà les meilleures offres qu'on trouve en ce moment. Donc on retient trois e-commerçants qui sont vraiment pas mal. Donc il y a Rue du Commerce, Cdiscount et Amazon. Les trois là sont parmi les moins chers, donc on va faire le tour ensemble. Allez, c'est parti! Donc voilà, on commence vraiment par le moins cher de tout ce qu'on va recommander, c'est 8Go. De toute façon, on part sur 8Go, donc deux barrettes de 4Go. Ici, c'est vraiment le basique, s'il nous faut de la mémoire, on va prendre ça, donc 75€. Livraison gratuite, donc Qumos, c'est une fabricante de puces, hein. Qumos, ça doit être un tout petit fabricant de puces, voilà. Donc 75€, DDR4 2133, c'est vraiment la base, c'est sûr que ça bride un petit peu les performances, mais celui qui a vraiment besoin de mémoire et pas trop dépenser, on va commencer soit par l'occasion ou soit par ça, voilà, chez Amazon. Ensuite, on va monter tout doucement. On part sur Rue du Commerce, donc pour 91€, nous avons 8Go de DDR4, donc deux barrettes, 2666. Donc là, c'est une très bonne moyenne. Ça peut être très bien pour que ce soit AMD ou Intel. 2666, c'est quand même une bonne fréquence qui est vraiment pas mal du tout. Donc 92€ livraison gratuite, c'est vraiment correct. Pour ici, donc de marque HyperX Fury. Voilà, pas mal du tout. Ensuite, pour ceux qui cherchent 8Go de DDR4 à bonne fréquence, donc 3000 en K15, donc une très bonne latence. Donc ici, 109,99€ en noir chez Amazon. Je trouve que c'est un bon prix ici, c'est un bon compromis d'avoir de la mémoire haute performance et qui est compatible AMD plus Intel. Ici, pour 110€, ça va à peu près, c'est correct. C'est beaucoup plus cher ailleurs, donc ici, on est vraiment pas mal placé. Donc bien sûr, j'ai oublié de le signaler. Mais toutes les offres que je vous propose ici, je les mets en description, voilà. Alors maintenant, ceux qui veulent passer plus tard à 16Go de RAM, on va prendre seulement pour le moment une barrette de 8Go, je pense que c'est le mieux à faire. Donc on prend une seule barrette et plus tard on passera à 16Go. Donc une barrette de 2400K16, c'est moyen, mais voilà, c'est pas trop cher, 86€ et c'est rouge chez Amazon, donc c'est vraiment pas mal du tout. On a également ici la version noire qui est un peu plus chère, 2666 à 104,90€, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver une seule barrette pour le moment. Mais c'est ce qu'il faut faire si on veut évoluer prochainement, passer à 16Go, on peut acheter, vu que c'est cher la RAM, une seule barrette en ce moment. Ensuite, on passe au kit de 16Go de RAM, donc ce qui est vraiment conseillé. Pour 2018, voire 2019, pour les jeux à venir, 16Go, c'est quand même un peu plus confortable, c'est beaucoup mieux. Donc ici, chez Amazon, 161€ les Ballistics, et en version blanche, nous avons les rouges, pareil, DDR4 2400 à 161€, donc le même prix ici chez Rue du Commerce, donc il y a un code réduction, donc ça va être éphémère. Pareil, ça reste du correct, ça reste du milieu de gamme, c'est vraiment pas mal, 2400 jusqu'à 2666, c'est vraiment du milieu de gamme. 2133, c'est vraiment trop juste, on bride un petit peu la plateforme. On passe vraiment à la mémoire que je vais recommander ici en ce moment. Alors elle est blanche, c'est vraiment dommage, mais ça peut faire looker noir-blanc, on peut avoir un look sympathique. Donc DDR4 à 3000 en K15, avec de très bonnes latences, donc très bonne performance, 178€. C'est vraiment pas cher pour le moment, c'est vraiment un bon plan ici je trouve. Alors, je l'ai vu il y a quelques jours à 177, elle a remonté à plus de 200 et maintenant elle redescend 178, donc ça vaut le coup. Ça fait beaucoup de yo-yo, mais en règle générale, la mémoire se stabilise. Donc ici, chez Amazon, ça vaut vraiment le coup. Le seul défaut, c'est qu'elle soit blanche, sinon la version noire, par contre, coûte, je crois, 207€. Vous avez vu la différence, donc c'est vraiment pas mal du tout. Autrement, une bonne, justement, c'est exactement les mêmes caractéristiques, donc DDR4 3000 en K15, donc pareil, 185€, donc ici, c'est de la vengeance LED en blanc. Voilà, rétroéclairé blanc. Il y a eu la version aussi RGB il y a quelques jours qui était vraiment pas mal, donc 205€. En DDR4, c'était 3466, donc ici, DDR4 3000 compatible, pareil, AMD et Intel, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne fréquence, beau look, 185€, c'est vraiment pas mal du tout. Autre mémoire intéressante ici, avec des latences plus faibles, donc de la K
14. Donc DDR4 3000, G-Skill qui est vraiment un look sympathique ici, RGB, elle est vraiment belle. Par contre, faut se méfier, attention, j'ai oublié de le signaler, mais quand on prend de la mémoire qui est un peu plus haute, on va avoir du mal, par exemple, avec les ventirades qui sont assez volumineux. Donc celui qui a des ventirades un peu justes, on conseille plutôt de mettre je conseille de mettre plutôt de la low profile, comme ici on a vu tout à l'heure. Mémoire haute performance ici, DDR4 3000, 234€, c'est raisonnable, même si c'est un petit peu plus cher que les autres. C'est vraiment puissant déjà, ça fait vraiment gagner peut-être 5-6 FPS par rapport à la DDR4 à 2400 par exemple. Autre mémoire de ouf là, ici par contre c'est déconseillé, dès qu'on passe la DDR4 3200, on déconseille chez les AMD parce que de toute façon la plateforme ne pourra pas bénéficier de cette mémoire RAM haute fréquence. Donc DDR4 4000, à bon prix, 213€ encore, pendant quelques... un jour ou deux, voilà, c'est très puissant ici, là on a, je pense pas que ce soit utile d'aller aussi loin, mais 213€ ça reste raisonnable. DDR4 4000, ça... oui c'est sûr que ça fait gagner un tout petit peu de FPS, mais la différence de prix vaut mieux l'investir plutôt dans une carte graphique plus performante, ou dans un CPU plus performant. Donc voilà, là c'est juste pour le look, c'est vraiment super beau, KFA2 extrême, elle est très très belle, céramique, donc DDR4 4000, c'est énorme. Donc là c'est plus recommandé pour une plateforme Intel. Et autre chose également, c'est la G-Skill, pareil, DDR4 4266, donc là 300€, c'est beaucoup trop cher, mais ceux qui ont envie vraiment de l'extrême, celui qui a de quoi dépenser un gros processeur, etc., donc pourquoi pas se faire plaisir avec une DDR4 très puissante, voilà. Donc le voltage 1,4, donc ça commence déjà à être survolté, on va dire, mais souvent dans ce type de mémoire haute performance, on retrouve des puces Samsung. Donc voilà, on a fait le tour ensemble un peu des RAM, des meilleures offres DDR4 du moment. Alors ceux qui sont sur les anciennes plateformes, souvent ce sera de la DDR3, donc c'est pas dans cette vidéo, mais elle est un peu moins chère la DDR3 en général. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on fera prochainement les processeurs, on parlera des meilleures offres du moment, mais apparemment le 14, donc dans quelques jours, il y a des nouveaux processeurs Intel qui vont sortir, il y a des nouveaux APU aussi AMD qui vont sortir le 12 normalement, donc voilà, ça va se bousculer un petit peu et après on va faire un petit point sur les processeurs. En tout cas, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.